on va libérer le copain Frelon qui squattait le balcon de ma grand-mère. On l'a délogé, puis il est revenu s'installer dans la minute qui a suivi. Du coup, ben je l'emmène à plusieurs kilomètres pour le relâcher ailleurs. Pourquoi je le tue pas? Parce que c'est un frelon européen et que les frelons européens tuent les frelons asiatiques. Donc il faut les garder vivants. De préférence. Alors voilà la bébête, hein. C'est pas de la petite abeille, hein. Et maintenant le but c'est de libérer sans se faire piquer. La dernière personne que je connais qui a enfermé un frelon, c'est véridique, hein. Il y avait un frelon qui est rentré chez lui. Il a réussi à l'enfermer dans un verre avec un papier dessous. Et il l'a allé sur son balcon, il l'a relâché, il est rentré chez lui. Quelques minutes plus tard, il a voulu aller se fumer une cigarette sur son balcon. Il est donc sorti, il a rouvert la fenêtre pour la porte vitrée pour sortir sur son balcon. Et à peine il était sorti sur le balcon, le frelon était encore là et l'a attaqué directement. Il s'est jeté sur son bras, il l'a piqué et il s'est barré. Donc apparemment, il est possible que les frelons soient rancuniers. Donc je vais faire un système pour pouvoir le libérer tout en étant moi-même dans la voiture enfermée. On va voir si j'arrive à trouver un truc. Allez, pourvu que ça marche, que j'ai pas besoin de... Ah, mais après, il faut que je récupère... Le truc, c'est qu'après, il faut que je récupère mon machin, là. Ça va être un problème, ça. Allez, on envoie. Ah, il a pu repartir. Ah, j'espère qu'il est pas blessé, putain. Oh. Ah, bah du coup, il a filé loin. Il a pas demandé son reste. Putain, très mauvaise technique. Il m'a fait mon truc. J'aurais dû. Dès que j'ai fait bouger le. Dès que le truc s'était ouvert, j'aurais dû couper le contact pour bloquer les essuie-glaces sur place. J'aurais dû faire ça. Putain, quel con. J'espère que ça va pas blesser et puis qu'il va rester vivant, quoi. Ah, ça m'a perturbé, oui. Je suis hypersensible. Ça m'a perturbé de le voir se faire embarquer par le rétro, par l'essuie-glace sur le retour. Il était coincé dessous. Voilà. Je saurai pour une éventuelle prochaine fois.